Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est sur Pokémon Unite. Petit test, enfin j'ai déjà joué donc j'apprécie vraiment beaucoup le jeu. C'est notre manière de voir les jeux tels que LOL etc. C'est dans le même style et ça j'apprécie. Actuellement mon Pokémon préféré sur Pokémon Unite à jouer, c'est évidemment le Bulbizarre. Il est vraiment très très fort. C'est vraiment un personnage que. Un des Pokémon que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel Pokémon choisir pour justement être assez polyvalent et pouvoir gérer plusieurs Pokémon en même temps. Adversaire. Tac. C'est parti, on va augmenter ses levels. Déjà niveau 3. Ça c'est bien, on a bientôt 4. J'ai changé de téléphone, comme ça vous pouvez le savoir, j'avais le Samsung A8. Et je l'ai changé pour un Xiaomi Poco X3 Pro, 256 Go de mémoire. Il a 8 Go de RAM, ce qui est un des SM pour l'instant le plus adapté pour le jeu. Il peut afficher. Oups, attention, on va pas se faire tuer. Afficher 120 fps, faire tourner Fortnite etc. assez facilement, ce qui est un bon produit pour sa qualité et pour le prix demandé. Donc vraiment pas cher du tout, il m'a coûté 250 €. Oh là là, j'espère que je vais pas mourir. Non. Il me fait très très mal. Il me fait... Ouais. Ok, c'est bon. On va pouvoir placer 30 points. Et ça, ça va faire mal très très vite. Ouh, attention, Ramolos. Ça va pas me faire mal. J'ai l'impression qu'il est très très fort celui-là. Pour reculer. Ok. Let's go. C'est un soigneur, c'est un soutien, c'est facile. Pas beaucoup de dégâts de toute façon. On se heal, on récupère. Let's go. Oh, ok, nickel. Nous sommes à level 6. J'espère qu'on va passer en Florizarre bientôt. Ça. Ouh là 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 là. Le coup ultime qu'il a tué, ça, ça fait plaisir. J'ai réessayé, comme ça, aux petites nouvelles, Clash Royale pendant une petite demi-heure. Clash Royale, c'est vraiment le jeu que je pourrais plus jouer parce que la méta a tellement changé, la manière de jouer aussi par rapport au... J'espère que je vais pas mourir. Ah, je suis mort. Il était attaqué en 4 champs en sandwich. La méta a beaucoup trop changé. Le jeu me rend trop nerveux. Je suis à 4200 trophées, je pense. Quelque chose comme ça. Et... Oh, ça me stresse trop. Ça me rend trop tendu. Donc, c'est un jeu que je vais pas spécialement rejouer. En tout cas, pas par entre guillemets pas le plaisir, mais en tout cas, pas régulièrement. Parce que c'est un jeu qui va me tendre. Peut-être recommencer un autre deck, enfin un autre compte, pardon. Recommencer à zéro quoi. Ça c'est pour me faire plaisir. Allez, on passe au prochain camp, enfin point. On va prendre niveau 8. Ah, il y a moyen de faire quelque chose de beau. Allez, allez. Ok. Let's go. Ah, dommage, on a raté le double kill. On était presque. On passe level 9 et on est en Florizarre, Herbizarre. Non, si, non, je suis plus. Non, je suis plus, non. Ulti. Allez, allez. Let's go. On prend. Let's go. Niveau 9. Les autres, ils sont 6.
Ça va, on dirait qu'on va pouvoir les battre assez facilement. Ils ont un retard de niveau, donc on a un avantage sur eux. Ok. Ce heal. Ouh, attention, Gormolos qui nous a attaqué par derrière, nous a surpris. Je l'avais vu, hein, mais un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Voilà. On va réussir ça. Je fais en soft spoking. J'espère que ça vous plaît. Vu que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus du tout d'ASMR sur la chaîne. Je pense que je vais faire des... un ensemble de vidéos comme ça. Cependant, avec l'application que j'utilise, je vais vous expliquer. De base, j'ai un Elgato qui permet de capturer les écrans, etc. De dupliquer les écrans GSM. Mais mon Elgato ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être compatibilité entre le Xiaomi, etc. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas trop. En tout cas, j'essaie de régler les bugs, de fixer. Du coup, j'ai trouvé une application Let's View qui permet de dupliquer ses écrans avec le Wi-Fi sur le PC et le smartphone. C'est pour ça que parfois il y a peut-être un petit décalage ou des petits freeze. Pas bien méchant, hein, mais suffisant pour gêner quelques. Réaliser quelques. Ah mince! Occasionner quelques gênes lors des vidéos, etc. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de la vidéo. Étant donné que c'est un jeu qu'on va pas pouvoir utiliser sur BlueStack, sur l'émulateur. Donc, voilà. Je vais essayer de voir un petit peu les moyens de programmation, enfin les paramètres pour améliorer tout ça. À moins que ce soit juste par le Wi-Fi. Qu'ils soient meilleurs, etc. Quoi. On va essayer. On va essayer. Allez, let's go. Hop, hop. Et on met 20 points. Ah non, 10. C'est pas le dernier, c'est ça, je pense. On est là, c'est la grosse mêlée. Reste 2 minutes. Ça fait plaisir. Oula. Oh, c'est déjà fini. Il reste 2 minutes, je pense. Et c'est la victoire. 481 points à 50. Ça fait plaisir. Bon, pas mal de victoires, en tout cas. J'ai fait 11 kills et 14 assistances. Je suis pas le meilleur. Je suis à 4 points d'être le personnage avec la couronne, là. Donc, le meilleur joueur, peut-être. Et on passe en division 2, ça c'est bien, ça c'est nickel. Vraiment propre, fermé. Menu principal. Alors c'est un tout nouveau compte, je suis level 9. Donc pour l'instant on est en train de découvrir encore le jeu. Je ne connais pas encore tous les Pokémon qui me permettent d'être bon dans les games. En tout cas, tout ce qui est dans le style de build bizarre, ça m'intéresse énormément. En tout cas, il s'est bien tanké, il a une bonne attaque, une bonne défense. Il aussi se régène un petit peu, ça dépend des pouvoirs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire les Pokémon que vous utilisez, si vous jouez à Pokémon Go ou si vous voulez tester. N'hésitez pas. Parce que vraiment, il est très appréciant. Enfin, il est très agréable à jouer. Appréciant, ça veut rien dire. Pas français, c'est français, je sais plus. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Laissez un petit pouce bleu pour le retour. Un petit abonnement, ça fait plaisir, hein, toujours. On cesse de grandir. Je vais essayer de réaliser de plus en plus de vidéos. Pour l'instant, avec le boulot, etc., c'est un peu compliqué de faire des lives le dimanche. Je sais, je l'avais promis. Mais on va sûrement revenir en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement. Je vais peut-être faire des sessions de gaming mobile, donc découverte de jeux mobiles, etc. Donc n'hésitez pas, merci à vous et à très bientôt. Une bonne soirée à vous. Ciao, ciao, ciao.